Bonjour les amis, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison de l'été et on va faire le championnat saisonnier. Ça chauffe. Vous devez utiliser des super compacts réglés maximum à 800 et vous devez gagner contre des drivatars très doués. Comme voiture, j'ai choisi la Honda Civic Type R de 2018 avec le réglage Season Road Wet et le code 3 2 5 0 2 3 4, 9, 6, 3, 2, 5, 0, 2, 3, 4, 9, 6. C'est parti pour le championnat. On prend notre Honda Civic modifiée. Je vous montre qu'on est bien bloqué en très doué. Et c'est parti. Normalement, avec cette voiture, ça devrait être assez facile. Et voilà, nous sommes déjà en tête et on se retrouve à l'arrivée pour le résultat de la course. Regardez l'avance qu'on a malgré les petites erreurs que j'ai faites. C'est dingue. Alors, quelle est l'astuce que j'ai utilisée pour choisir la voiture pour ceux qui écoutent? Eh bien, j'ai fait le championnat avec une voiture que j'avais choisie. Les drivatars m'ont mis une pilule monstrueuse en prenant la Honda. Et donc, j'ai pris la Honda avec un réglage. Et en fait, c'est une astuce que j'utilise quand je choisis la mauvaise voiture. Je prends la voiture que l'IA utilise pour me battre et je prends cette voiture-là et 9 fois sur 10, ça fonctionne. Une petite astuce pour ceux qui voudraient choisir leur voiture et qui ne savent pas quoi utiliser. Alors vous prenez n'importe laquelle, vous la mettez en A800 si vous ne savez vraiment pas. Vous vous battez contre l'IA, vous regardez au bout de la première course quelle est la position de l'IA, la voiture qu'elle a pris, et vous prenez la même. C'est tout con et ça marche. Ça a toujours marché depuis que le jeu existe. Alors je vous donne mes petites astuces. Et voilà, c'est une victoire extrêmement facile. Mais alors, extrêmement facile avec cette voiture. Je sais pas combien on va leur mettre, mais on va certainement leur mettre 4 secondes, 5 secondes facile. Sans forcer, hein. Vraiment. Alors, 4 secondes, facile, sans forcer. On va s'inscrire à la deuxième course. Alors, où est-ce qu'elle est? Bon, j'ai un peu nettoyé la carte, hein, parce que là, c'est Nawak. Voilà, ça va déjà être un peu plus clair. Ah ben il y en a une tout près là. Je l'avais même pas vu tellement il y avait des trucs sur la carte. Bon, j'attends pour m'inscrire, voilà. C'est parti, on continue l'épreuve. On prend toujours notre Honda Civic modifiée. Je vous montre qu'on est bloqué en très doué. Et voilà. Et c'est parti. Essayez de bien coller le groupe. Faites attention de ne pas trop vous faire pousser. L'IA est un peu agressive par moment.
passer ici à gauche, comme ceci, puis à droite, freiner bien ici. On est déjà quatrième, on colle bien. Attention ici de ne pas foirer votre virage. Là, il y a un gros virage aussi, attention. Ne foirez pas, c'est impec. Et voilà, on est bien en ligne. Derrière les deux premiers, c'est nickel. Si vous ratez votre virage, rembobinez. Hein. Il y aura encore un virage un peu plus loin, bien méchant aussi. Ne le ratez pas non plus, pas celui-ci, c'est encore un autre. Et voilà, on est presque en tête. Et voilà, on est en tête et on se retrouve à l'arrivée pour le résultat de la course. Ici, il ne faut pas foirer. Ce virage-ci, c'est un gros virage bien méchant. Ne le foirez pas. Là, on a bien touché le poteau, mais finissez pas dans la maison plus loin. Et comme je disais, on se retrouve à l'arrivée hein, pour ceux qui veulent voir le résultat final. C'est une course un peu plus serrée que la première, on a moins d'avance, on a un peu plus de mal sur ce circuit-ci. Mais ça va. On commence à prendre un peu d'avance. Ici, faites attention à l'arbre. Hein. N'allez pas lui faire un gros bisou, sinon les autres vont tous vous rattraper. Profitez de la ligne droite pour prendre un peu d'avance. On arrive tout doucement. Faites tout en douceur, freinez pas trop. Essayez de bien garder votre vitesse. Vous voyez, j'ai un peu trop freiné et les autres viennent derrière sur la ligne droite. Mais ça va tenir, c'est bon. Une course un petit peu plus disputée, mais pas si difficile que ça. ...40-32-28, c'est très bien. On va s'inscrire à la troisième course. Alors, ici... on s'inscrit... on continue l'épreuve. On prend toujours notre Honda modifié. Je vous montre qu'on est bien bloqué en très doué. Voilà. On va regarder le classement. 40-32-28. On peut finir premier, deuxième ou troisième. À condition de finir devant Seb X, mais sinon on peut finir premier ou deuxième, c'est parti. Essayez de bien coller les voitures, ne vous faites pas distancer et surtout faites attention, par moment l'IA est un peu agressive et vous pousse. Donc faites attention de ne pas vous faire pousser hors des trucs de fumée, hein. Des checkpoints. Excusez-moi. Faites attention aux arbres aussi. Tout juste pour le checkpoint. On revient sur le groupe, c'est bien. Maintenant, le but, c'est de revenir sur le premier. Servez-vous bien des voitures s'il faut pour freiner ou pour garder votre trajectoire. Ne freinez pas ici, lâchez juste les gaz. Là, vous freinez parce qu'il faut. Ici aussi, freinez bien. Essayez de pousser une voiture si vous pouvez. C'est magnifique, voilà. Tout bon. On est déjà deuxième, donc on est virtuellement déjà champion. Maintenant, il suffit de prendre la première place. Mais c'est même pas nécessaire. Deuxième suffit. Et nous voilà premier. On se retrouve à l'arrivée pour le résultat de la course, mais aussi le résultat du championnat. Et voilà, nous sommes quasiment arrivés et on est toujours premier. Ça bataille un peu, mais c'est gérable sans souci. Faites juste attention
aux gros virages à certains endroits qui sont vraiment très embêtants, mais sinon, c'est pas si difficile que ça. Ici, j'aurais même pas dû freiner. Et voilà, on finit avec une petite avance. points, 46 points pour le deuxième, c'est la victoire. Si vous avez aimé le réglage, alors n'hésitez pas à le liker, ça fera plaisir à son créateur. On récupère la Pagani Zonda R de 2010. Et voilà, le championnat saisonnier s'achauffe et terminé. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5.